Salut à tous et à toutes, c'est Monkey D. Tony et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque ça sera une vidéo de présentation de team. Oui, donc j'ai créé récemment une team, donc quand je dis récemment c'est vraiment aujourd'hui même, enfin même pas aujourd'hui, hier puisque je vais publier la vidéo demain en fait. Et donc justement cette vidéo sera publiée sur ma chaîne sur la chaîne de la team justement parce qu'on vient de créer une chaîne de team. Donc moi quand je dis on, c'est parce qu'on est deux en fait. Il y a moi qui a créé la team et il y a Xglezix qui sera mon partenaire hein, qui a accès à la chaîne aussi. Donc voilà, après on compte recruter, donc je vais en parler après des recrutements, mais avant j'aimerais vous parler un peu de la team, en quoi ça va consister. Donc en fait cette team on l'a appelée Extreme Slide, donc voilà c'est un nom qu'on a cherché. Attendez deux secondes, je vais désactiver le son de mon Skype parce que ça peut certainement vous gêner. Voilà, tac. Voilà. Donc, comme je disais, cette team on l'a appelé Extreme Slide. Donc, qui signifie en fait le slide extrême, hein, tout simplement. Et donc, voilà, on a trouvé ce nom de team parce qu'on voilà, on trouvait ça stylé. Et donc, ça sera une team 100% BMX. Voilà. Donc, je parlerai des recrutements après. On a fait un nouveau logo. Enfin, j'ai fait. Enfin, quand je dis j'ai fait, c'est parce que j'ai fait le 3D, j'ai fait les effets spéciaux, les effets de lumière et les effets d'ombre. Mais le logo en 2D, c'est Oxygen Raven qui l'a fait. Donc je le remercie puisque voilà, c'est un logo que j'aime bien quand même. On a mis quand même une journée à le faire. Et oui, donc lui, il l'a mis une après-midi, je pense. Et puis après, moi j'ai mis la soirée, toute la soirée, à faire le 3D. Parce que moi j'aime bien les logos 3D, donc voilà, j'ai décidé de le faire un peu en 3D. Donc après, pour les membres de la team, je leur conseille quand même de le mettre en 2D avec leur pseudo, donc que je ferai. Après, c'est à eux de décider s'ils veulent en 3D, je leur mettrai en 3D, puisque ce sera à moi de le faire de toute façon. Sauf s'ils savent le faire, mais je pense pas. Et donc, voilà. Pour la team, ça sera 100% BMX et donc ça sera une team où on fera des tintages, on va dire, voilà. Et je mettrai sur la chaîne de la team tous les stunt montages des membres qui sont dans la team. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Extreme Slide, donc que je mettrai dans la description. Là, j'ai mis l'image du logo, j'espère que il vous plaît. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. S'il vous plaît pas, vous pouvez me dire dans les commentaires qui vous plaît pas, mais argumentez s'il vous plaît, parce que c'est vrai que les commentaires non argumentés sont un peu chiants, faut le dire. Donc mettez ce qui vous plaît pas dans le logo si ça vous plaît pas. Après là normalement il y aura une bannière, donc pour l'instant j'ai toujours pas mis, mais je pense que au moment où je vais mettre la vidéo elle sera mise puisqu'on est en train de la faire. Donc toujours pareil, Oxygène qui me fait la bannière, merci à lui encore. Ensuite, je vais vous parler tout de suite après, justement, du recrutement. Donc, on se retrouve tout de suite après. Et donc, on passe tout de suite au recrutement pour rejoindre la team. Donc, j'ai déjà sorti une vidéo sur... c'est Glazix qui l'a sorti. Une vidéo, justement, avec la même image que vous voyez. Qui est faite par Glazix. Donc, merci à lui. Qui est un membre de la team et puis qui est mon adjoint, on va dire, voilà. J'ai préféré quand même en faire une en commentary pour vous expliquer, parce que là je viens de recevoir déjà un mail de recrutement, mais il m'a envoyé un stunt montage. Du coup moi c'est pas ce que je demande, je demande vraiment trois meilleurs clips en BMX, vos trois meilleurs clips en BMX, et je demande un switch, enfin trois combos au minimum. Donc on va y aller dans l'ordre. Donc pour être recruté GTA 5 seulement, donc ce qui veut dire que voilà, vous devez avoir seulement GTA 5, hein, ça, y a pas besoin de... Enfin, Sant Andreas par exemple, voilà, vous n'allez pas faire des stunts en BMX sur Sant Andreas. D'ailleurs, les stunts en BMX sur Sant Andreas sont vraiment à chier. Donc voilà, il vous faut tout simplement GTA 5 pour rejoindre la team. Ensuite, envoyez vos 3 meilleurs clips à monkeyditony@hotmail.fr. Donc quand je dis vos 3 meilleurs clips, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment
minimum 3 combos. Donc par exemple un switch de 3 ou 2 switch suivi d'un transfert par exemple. C'est vraiment minimum ça. Ou alors si vraiment c'est 2 stuns exceptionnels. Si c'est, voilà, si vraiment c'est par exemple 2 combos exceptionnels. Voilà, j'accepterai. Enfin après vous verrez selon ma réponse. Et donc... Donc voilà, sinon je l'ai vu aussi en HD, donc là il y a écrit obligation d'avoir un boîtier d'acquisition. Donc quand je dis boîtier d'acquisition, c'est vraiment soit un boîtier d'acquisition, ou si par exemple vous êtes sur la PS4, vous pouvez filmer par rapport au je sais plus trop quoi là, le truc exprès pour filmer sur PS4 sans boîtier d'acquisition. Tant que c'est en HD, que c'est pas, y a pas des rayures sur l'écran, l'air de dire que vous filmez avec votre portable, parce que ça, quand même, dans une team tâche, c'est pas vraiment nécessaire, c'est moche, je trouve. Voilà, ça fait con de passer un clip HD à un clip filmé avec un portable, donc c'est pour ça que j'accepte que le HD. Voilà pour ça. Ensuite, dans votre email, vous devrez m'envoyer votre pseudo Skype pour que je vous ajoute à la conversation de la Extreme Slide. Comme ça, on pourra parler un peu de tout et de rien. Enfin, voilà, vous verrez. Le PSN, donc pour que je vous ajoute sur PSN ou sur votre gamer tag pour que Glazix vous ajoute justement. Parce que moi, en fait, je suis sur PS3, mais Glazix, il est sur Xbox 360. Du coup, vous pouvez envoyer les deux comme ça. Soit l'un, soit l'autre va vous ajouter, en fait. Et votre YouTube, hein, votre pseudo YouTube pour que je puisse m'abonner à votre chaîne et puis vous ajouter dans la subbox de la Extreme Slide. Et puis voilà, pour vous faire connaître un peu si vous êtes pas très connu. Donc ah oui, je voulais aussi parler du pseudo. Donc si vraiment vous avez un pseudo de merde, changez-le, hein, parce que par exemple si vous avez un pseudo genre votre prénom, genre je sais pas moi, Lucas, enfin voilà, c'est pas un pseudo. Faut vraiment trouver un pseudo qui vous représente et un pseudo qui fait pas trop kikou, genre le PGM du 72, voilà quoi. Enfin voilà, ça fait pas trop classe. Du coup, faut vraiment trouver voilà un pseudo qui peut passer, un pseudo qui peut voilà qui peut représenter votre niveau en BMX, tout simplement. Donc ne pas modifier vos clips. Donc quand je parle de ça, c'est que vous devez pas faire d'édit dessus, genre ne pas ajouter de musique par exemple. Bon là encore, si vous ajoutez une musique, je m'en fous un peu, puisque de toute façon je l'enlèverai dans les... si on fait une team tâche ou autre chose, je l'enlèverai. Mais je veux dire, ne faites pas par exemple des effets spéciaux, ne rajoutez pas des CC, CC qui est color correction, donc qui change un peu l'effet de l'image. N'ajoutez pas ça parce qu'après je pourrais pas l'enlever et du coup voilà, ça fait con de passer à une CC d'une CC à une autre. Et puis voilà, après vous devez être patient tout simplement. Je réponds très vite aux emails puisque de toute façon je consulte ma boîte email tous les jours puisque c'est ma boîte email générale. C'est vraiment une boîte email que je me sers pour tout. Mais voilà, donc j'espère que on sera nombreux dans cette team. Hein. J'espère que vous voudrez bien rejoindre cette team si vous avez un niveau assez élevé. Et puis avant de partir, j'aimerais aussi vous remercier pour les 700 abonnés. Et oui, je viens d'atteindre 700 abonnés aujourd'hui. Nous sommes le 5 février 2015. Et donc 700 abonnés, franchement, rien ne peut me faire plus plaisir. En fait, c'est vraiment génial. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir. Donc merci à vous. Et puis salut tout le monde.